Pas trop à la fois. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Allez, vas-y, goûte. Hé, je sais, c'est de la cannelle. Ma mère en met dans ses biscuits. La cannelle? C'est pas facile à reconnaître en plus. On a presque tout trouvé, il manque plus que ça. Pas de problème, je m'en charge. Hé, pas trop. T'as entendu ce qu'a dit Mademoiselle Nelly il y a 2 secondes? Je vais au lavabo. C'est peut-être du gingembre? Ah, c'est super fort. Ça lui apprendra à faire le malin. C'est moi qui les ai faits. Promis, c'est pas au gingembre. Tiens, Christian, tu veux goûter? Alors, comment ils sont? Qu'est-ce qu'il a encore? Il n'y a pas de truc fort dans mes biscuits. Pour fêter tous les goûts, nous allons faire un goûter au parc avec vos gâteaux. Vous les ferez par équipe de 2, avec l'aide de vos parents, si vous voulez. Dis, Chen, tu veux bien te mettre avec moi pour faire le gâteau? Et toi avec moi? On a déjà décidé de faire équipe toutes les deux. C'est pas de bol. C'est vrai, je suis nulle en cuisine. Et toi, t'es tellement bonne. C'est vrai, faut que vous nous aidiez. D'accord. Et j'espère que Chen a une autre recette de gâteau que ce de tout à l'heure. Sinon, berk. T'inquiète, j'ai un plan. Bien sûr que je peux vous aider à faire des gâteaux. De toute façon, il est hors de question que toi ou Chen vous touchiez au four. Ça me fait très plaisir que tu t'intéresses à la cuisine. Les grands chefs ont commencé comme ça. Moi, je dis, c'est le début d'une grande passion. Je vais t'apprendre à faire les sablés au thé vert. Au thé vert? Ça va pas être un peu, zarbe? Pas du tout. Mademoiselle Nelly a dit de faire quelque chose d'original. Mais on peut demander à ma mère de nous aider, peut-être, non? Cédric, tu me manques vraiment de confiance en toi. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, non? De la farine, des œufs, du beurre, du lait, du sucre... Sacré gamin, va! Waouh! Ça sent drôlement bon. Bah, évidemment. Tout va bien, pas besoin de moi? Vous m'appelez pour sortir les gâteaux du four, d'accord? Oui, ma... Tu t'es peut-être trompée dans la recette. C'est un problème de cuisson, pas de recette. Je parie qu'ils sont très bons. Vas-y, goûte. C'est dégueu. Comment ça, dégueu? Ah, tu vois? C'est votre four, il doit être détraqué. Tu crois? Pourtant, ma mère les réussit d'habitude. C'est ça? Dis que je suis nulle? Chen, attends! Je retourne avec caprice! Chen! Chen! Oh là là! Plus jamais je goûterai les gâteaux de caprice! Elle avait du poivre sur sa tarte aux fraises. Paraît que ça fait ressortir le goût. Je lui ai tout recraché dessus. Elle m'a viré de sa cuisine. Je peux mettre avec vous? Avec moi, tu veux dire? Chen, elle est partie, super vexée. La mayonnaise n'a pas pris. C'est sablé au thé vert, je te dis pas. Les filles, on fait quoi alors? Vous avez besoin de quelque chose, les garçons? Attention, c'est brûlant. Waouh, ils sont super beaux. Et je te garantis qu'ils seront super bons aussi. Merci, maman. Bon, les garçons, je compte sur vous pour tout nettoyer. J'imagine la tronche des gâteaux de Chen et de Caprice. Bonjour, la honte. Oh, tout le monde va se moquer d'elle. C'est pas drôle.
c'est super chaud. Écoute, gamin, je ne vois pas ce que tu peux faire de plus pour Chen, à part transformer ses gâteaux avec une baguette magique. Allez, t'en fais pas, elle s'en remettra. Christian, t'as pas vu Chen? Avec le gingembre, le poivre et le cramage de langue, je sens plus le goût de rien, moi. Pour une fois qu'on va goûter plein de gâteaux, c'est pas de bol. Sauf pour ce défi. Si c'est dégueu, je sentirai rien. Leurs gâteaux ne seront pas dégueux et personne ne se moquera d'elles. Parce qu'on va échanger leurs gâteaux contre les nôtres. Quoi? Non, mais ça va pas. Oh, regarde les bébés qui ont fait faire leurs gâteaux par leur maman. Les nôtres, on les a fait toutes seules et ils sont délicieux. Ah oui, c'est vrai? Mais tu nous prends pour qui? Pour des nuls? Oh. Tu les as entendus? Si leurs gâteaux sont si bons que ça, pas la peine de leur refiler les nôtres. Je préfère vérifier. Ici, ce sera parfait. Oh ouais, c'est pas mal ici. Quelqu'un veut m'aider à étendre les nappes? Oui, moi je vais le faire, attends. Hop. Allez, c'est le moment. Alors qui m'aide? Allez, attends. C'est bon. On va se régaler. Dépêche, elles arrivent. Oh. Il sent super bon. Moi je sens rien alors. Allez, on goûte. Chen doit pas faire goûter ça aux autres. Il faut échanger les gâteaux. On pourrait pas plutôt refiler du gingembre à tout le monde? Ils sentiront pas le goût comme ça. Caprice, c'est ta copine, non? Tu peux bien lui sacrifier tes gâteaux. Faut qu'on trouve une occasion de faire l'échange. Les enfants, nous allons commencer. Alors, qui veut nous faire goûter son chef-d'œuvre? Nous, mademoiselle. Chen et Caprice. Nous allons nous régaler. Aïe, aïe, oh. J'ai été piquée par une fourmi rouge. Ouh, ça fait mal. Aïe. Ouh, moi aussi, mademoiselle Lily. On est assis sur une fourmilière. D'accord, d'accord. On va s'installer plus loin. Bon, tout le monde est en place? Oui, mademoiselle. Maintenant que nous avons échappé à l'attaque de fourmis rouges, nous allons pouvoir commencer la dégustation. Chen, Caprice. Waouh, vous avez vu le poisson? Il était énorme! Ouais, je l'ai vu, moi! Je l'ai vu! Un monstre! Christian, je vous trouve bien agité aujourd'hui. Si vous nous faisiez goûter vos gâteaux. Il en reste juste un pour vous, mademoiselle Nelly. Ça a l'air délicieux. Barque, quand je pense qu'ils nous ont prises pour des nuls. C'est très original. Bon, à qui le tour? Bon, bah alors à nous maintenant. Avec des gâteaux dégueux, tout ça pour rien du tout. C'est bon. Moi, j'en veux encore un. Oh, oui. Bien.
pour vos gâteaux. Christian et moi, on n'y croyait pas. On est désolés. Dites, il y a quoi dans votre boîte rose? Eh bien, en fait, avant de réussir nos gâteaux, on en a raté pas mal. Alors on les avait apportés pour les canards. Mais on a oublié, alors on va les jeter. Non, fais pas ça. Oh, mais c'est quoi ces gâteaux? C'est bon. Mais comment ils sont arrivés dans notre boîte? Cédric voulait pas qu'on se moque de vos gâteaux. Voilà, alors on a fait l'échange. C'est bête, mais c'est trop gentil. Après l'école, je vous invite tous les trois chez moi et je vous fais des crêpes au vinaigre de riz, c'est d'accord? Génial! Enfants, écoutez-moi, j'ai une formidable surprise à vous annoncer. Bah quoi? Bon, je disais donc, une formidable surprise. Le lac du parc étant gelé, demain nous ferons une grande compétition de patinage artistique. Super, tu parles d'une surprise. Faire le gugus dans le froid pour gagner une médaille en chocolat, merci bien. Arrête, c'est l'occasion rêvée. Demande à Chen de faire équipe avec toi. Ah ouais, génial. Monsieur, je ne pourrai pas venir demain. Ma grand-mère arrive de Chine pour les fêtes de Noël. Bon ben, j'ai compris. Ce sera sans moi la journée patinage. 18, 19, 20... Ça devrait bientôt suffire. Oh oui, oui, service du réveil, debout, debout. Oula, mais c'est la grosse panne d'oreiller ce matin. Allez, gros paresseux. Eh ben, ça n'a pas l'air d'être la grande forme, mon cœur. Ouh, tu es au moins 38, là. Désolée, mon grand, mais tu vas devoir rester au chaud aujourd'hui. Oh non, c'est pas juste, maman. C'est la journée patinage. Désolée, Cédric. Je ne savais pas que tu y tenais tellement. Mais c'est pas raisonnable. Je dois aller travailler. Je suis sûre que Pépé va se faire un plaisir de jouer les gardes malades. Ouais! Bonjour, Christian. Bonjour. Cédric est malade. Il doit rester au lit. Oh. Va le voir si tu veux. Il est tellement malheureux de louper la journée patinage. Et préviens la maîtresse de ma part, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'en penses? Finement joué, non? Ouais, il y a juste un petit problème. Un problème? Je suis là, bien au chaud, loin de Monsieur Olivier et de ses patins à glace, et je pourrais même téléphoner à Chen. Sa grand-mère n'est pas encore arrivée. Ouais, ben justement, il est là le problème. Je viens de la croiser, Chen. Sa grand-mère n'arrivera que ce soir. Alors finalement, elle y va à la journée patinage. Oh, c'est pas vrai. En plus maintenant, Pépé ne voudra jamais me laisser partir. Bon, ben il faut que j'y aille, moi. Bonne journée quand même. Attends, bouge pas, j'ai une idée d'enfer. Christian, t'es mon meilleur ami, hein. Mon frère même, pas vrai? Bah ouais, mais... Alors tu peux me rendre un petit service trois fois rien. Tu vas prendre ma place. Oh, crédit, où est-ce que je l'ai fourré, ce satané bouquin? Oh, voilà. Ça devrait lui plaire au gamin.
Merci, mon vieux. Je te revaudrai ça. J'espère bien. N'oublie pas que tu m'as promis toutes tes cartes, Footmania. T'inquiète, tu les auras. Bonjour, gamin. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de lecture? Je vais te faire oublier tes malheurs, moi. La fabuleuse histoire des chemins de fer, de la vapeur au train à grande vitesse. Tu ne vas pas voir la journée passer, gamin. Ah, voilà Cédric. Bonjour, mademoiselle. Je suis passée voir Christian, il est malade. Sa mère dit qu'il peut pas venir aujourd'hui. Oh, le pauvre, ce n'est pas de chance. Allez, va rejoindre tes camarades. Cédric, viens voir, j'ai quelque chose pour toi. C'est une invitation à la grande fête chinoise donnée ce soir en l'honneur de ma grand-mère. Est-ce que tu pourras venir? Ah bah oui, bien sûr. Merci, Chen. Et c'est au Pérou, en 1895, que fut achevée la ligne de chemin de fer la plus élevée du monde. Oh bah il vaut mieux que tu te reposes, gamin. Oh, mais dis-moi, mon petit Cédric, ça ne s'arrange vraiment pas. Je vais aller te chercher un remède miracle, moi. Quoi? Un remède miracle? De l'huile de foie de morue. Allez, gamin, sors de là. Non, 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 pas ça. Alors, mon petit Cédric, on a retrouvé la forme, apparemment. J'avais bien dit qu'il était miracle, mon remède. C'est pas Cédric, monsieur. C'est moi, Christian. Sans blague. Je ne m'en doutais pas du tout. On ne me berne pas aussi facilement, mon petit gars. Et maintenant, il va falloir que tu t'expliques vite si tu ne veux pas passer la journée là-dedans. Ben, c'est parce que Chen est venue à la journée patinage où elle ne devait pas venir à cause de sa grand-mère qui venait. Donc Cédric, qui ne voulait pas venir parce qu'elle ne venait pas, a finalement voulu venir parce qu'elle venait, vu que sa grand-mère ne venait pas. Enfin, pas tout de suite. Vous comprenez? Ouais. Tout ce que je comprends, c'est que c'est encore pour sa vietnamienne, cette histoire. Chinoise. Chen, elle est chinoise. Ouais. Ben, chinoise ou pas, tout ça mérite une bonne leçon. J'ai bien envie d'appeler ta mère. Allez, je te taquine. Je ne suis pas du genre cafteur, moi. Mais en attendant ton copain, tu es consigné dans sa chambre. Pas question d'en bouger. Sacré gamin, va. Fastoche, n'importe qui peut en faire autant, ou mieux même. Ah, ne sois pas jaloux, Cédric, tu ne fais pas le poids. Ouais. D'abord, je suis pas jaloux. Ensuite, je vais te montrer si je fais pas le poids. Cédric, reviens tout de suite. Je vais te tirer de là, mais surtout ne bouge pas la poêle. Oh non, pas lui. Chut, va-t'en, César. Va-t'en, coucher. Accroche-toi bien. Allez, viens. Je vais te raccompagner chez toi. Alors, sur la vaisselle, Marie... Dieu, Cédric, le voilà déjà. Et en reprise. Papa. Désolé, Marie-Rose, je voulais juste faire une bonne petite blague. Une bonne petite blague? Non, mais ça va pas, papa, à ton âge. Je vais voir Cédric. C'est pour lui que je suis rentrée plus tôt. Dieu. Aïe, 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 ça se complique! Attends-moi! Chut! Marie-Rose, il est en train de dormir! Ah bon, d'accord. Dans 2 minutes, tu es au chaud. Attendez, mademoiselle!
C'est l'heure où mon grand-père fait sa sieste. Il faut surtout pas le déranger. Bon, prends bien soin de toi, Cédric. Merci. Et à demain, j'espère. Oh, attitude. Laisse tomber, Marie-Rose. Je m'occupe de tout. C'est ma faute. Va nous faire un thé, ça va nous réchauffer. Ça va bien, papa? Qu'est-ce qui te prend? Tu détestes le thé? C'est juste qu'il fait un froid de canard. Sacré gamin, là. Oh, c'est bon, Christian, tu peux te montrer. Si tu savais ce qui m'est arrivé. Ah, tu peux parler, t'as vu ton grand-père? Non, pourquoi? En tout cas, ça a marché, on l'a bien roulé. Bien roulé, hein? Me rouler, moi, Jules Boudinet, 78 ans. Laissez-moi rire. Ce n'est pas un vieux singe comme moi qu'on apprend à faire des grimaces. Crédit-tu, mais c'est que tu as l'air vraiment malade, mon pauvre gamin. Bonjour, Chen. Tu viens prendre des nouvelles de Cédric? Vous êtes déjà au courant? Ben oui, bien sûr. J'espère qu'il va mieux. Il ne tenait pas debout ce matin. Ce matin? Mais ça devrait aller. Son grand-père a dû bien s'occuper de lui toute la journée. Tu peux monter le voir si tu veux. Regarde ce que j'ai acheté pour notre petit malade. Ses bonbons préférés? Moi aussi. Alors, tu étais vraiment malade ce matin? Mais pourquoi tu as demandé à Christian de te remplacer? Je savais pas que t'aimais autant le patinage. Remarque, t'as pas tort de vouloir t'entraîner. C'est malin. Allez, c'est pour rire. Tiens, t'avais perdu mon invitation. Tu pourras quand même venir tout à l'heure. Désolé, Chen, Cédric est trop malade. La fête, il la passera dans son lit. Bon, mais au fait, Christian, t'as pas eu d'invitation. Tu veux venir? Hélas, Chen, je suis sûr que Christian préfère tenir compagnie à son copain. N'est-ce pas, Christian? Buffet chinois. Chen, sais-tu que je serais ravi de faire la connaissance de ta grand-mère? Vous êtes le bienvenu à notre fête, Monsieur Pépé. Au revoir, les garçons. Au revoir, Chen. Eh bien, Cédric, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Mais depuis quand es-tu là, Christian? Je ne t'ai même pas vu passer. Oh, c'est ça, les vrais amis, discrets et dévoués. Christian s'est déclaré volontaire pour jouer les gardes-malades. Moi, je suis de sortie. Médicaments surprise pour tout le monde. Ouais, youpi. Oh, à moins que vous ne préfériez ça, de l'huile de foie de morue. Cet après-midi, il n'y a pas école. On va s'éclater, je te dis que ça. Ouais, mais t'as des sous, toi? Pas encore, mais j'ai prévu le coup. Math B+, dictée B+, récitation B+, grammaire B+. Dites-vous, B+, c'est presque A. Sacré gamin, je savais bien qu'il finirait par y arriver. Production d'écrit A, la meilleure note de la classe. Ouais, ça, c'est mon exposé sur les chemins de fer. Au fait, ça n'a rien à voir, mais c'est bien le jour de mon argent de poche. Tiens, tiens. Bah, alors en fait, j'aurais besoin d'une avance. Enfin, tout le trimestre d'un coup, quoi. Quoi? Et voilà, j'en étais sûre.
Tu ramènes un super bulletin pile le jour où la fête foraine est de retour en ville. Tous les ans, c'est pareil. Et le reste du temps... Marie-Rose, quand même, il faut l'encourager. Et puis, il cherche ses motivations où il peut. Robert, ça s'appelle marcher à la carotte. Mais enfin, Marie-Rose, je te rappelle que tu faisais pareil. Et ça ne t'a pas trop mal réussi. Enfin, si on peut dire. Papa. Bon, on va couper la poire en trois. Cédric, je te donne ton argent de poche du mois. Et voilà le reste. Merci, Pa. Merci, Pépé. Vous n'êtes pas gonflé. Qui c'est qui commande ici? Papa, je te demande de respecter notre éducation. Ben quoi, c'est un don. Je suis encore libre de faire des dons, non? Et ce n'est pas parce que j'ai une petite retraite que j'ai un oursin dans la poche, moi. C'est ça, l'honneur des gens modestes. Parfaitement. Papa, en plus, il l'avait déjà fait l'année dernière, son exposé sur les chemins de fer. Waouh! Avec ça, je vais pouvoir faire au moins 20 tours de grande roue avec Chen. Christian, écoute ça. Mouais. Bah, qu'est-ce que t'as? Me dis pas que... Non, non, pour les sous, c'est bon, mais j'ai lu mon horoscope à midi. Bah, j'ai la poisse aujourd'hui. N'importe quoi. Tu crois à ça, toi? Coucou, Cédric. Vous allez à la fête foraine? Bah ouais, on y va, là. D'ailleurs, ça te dirait de faire un tour de grande roue avec moi? Dac, j'adore ça. Allez, viens avec nous, Christian. T'inquiète, vieux. Avec la chance que j'ai aujourd'hui, ta poisse, elle a qu'à bien se tenir. Au fait, comment on dit déjà une chance de... bossu? Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, ce sont les mêmes tickets pour tous les manèges. Bon, alors un carnet? Merci. Je vous attends. Un carnet, s'il vous plaît. Attendez. Oh. Mon porte-monnaie! Oh non, c'est pas possible! Tu dois bien l'avoir quelque part! Allez, plus vite! On n'a pas que ça à faire! Bah non, je l'ai pas! La poisse, j'ai dû le perdre! Allez, dégagez la caisse, il y a du monde qui attend! Allez, poussez-vous, les petits! Deux carrés! Bon, on se retrouve au train fantôme, ok? Tu monteras avec moi dans l'avion! Allez, à vous, ma petite dame! Allez, il y en a plus pour longtemps! T'es vraiment une banane! On va devoir se retaper la queue! Deux carnets, s'il vous plaît. Excuse, vieux, c'est pas ma faute. En tout cas, tu as un vrai pote, je te rembourserai. Merci. Allez, grouille, j'irai encore avec Chen, moi. Allez, laissez-vous tenter, madame. Venez, venez. Nestor, tu crois vraiment que c'est le moment? Pardon, madame. Pardon, madame. En voiture dans le train fantôme! Ouf, eh ben c'était moins une! Cédric, Christian! Oh. Je vous ai attendu un peu, mais Nicolas est arrivé, alors on a fait le tour ensemble! On se retrouve à la chenille! Qu'est-ce que ça sent là? Bah, je crois que j'ai marché dedans! Oh, la poisse! Oh non! Et hop, c'est parti pour les grands frissons! Excuse, vieux, t'es vraiment un super pote. C'est ça, ouais. Allez, viens maintenant, direction la chenille. Okay, s'il vous plaît. Préparez-vous au départ. Attendez, attendez, attendez. Cédric. Merci. Ah bah vous voilà. Ouais, ensuite on va à la grande roue, tac. Ok. C'est parti, mon kiki. Ça. Ouais, des tickets. Super. Ah, ça colle. Et voilà. En plus, maintenant, je te l'ai refilé, ma poisse, on dirait. C'est vraiment pas de bol. Tu m'as pas refilé ta poisse. Si t'étais pas venu te coller à moi, je l'aurais pas reçu, la barbe à papa. Alors maintenant, tu tailles ta route de ton côté, ok? Ok, vieux, t'as peut-être raison. De toute façon, j'ai plus de tickets, alors.
Oh, Christian, Christian! Christian! Hé, Christian, reviens! Reviens ici, Christian, Christian! Et puis quand on a la poisse, autant rester chez soi. Hé, Christian! C'est pas à toi ce porte-monnaie? Je l'ai trouvé devant chez toi. Bah oui, c'est le mien. Et en plus, il est plein. Merci, Caprice. Pas de quoi. Bah alors, j'ai pas tant la poisse que ça. Félicitations, tu es le 1000e client. Un carnet acheté, un carnet gratuit, petit Bénard. Mince de mince. Bah alors, ça veut dire que j'ai plus la poisse du tout. Il faut que je le dise à Cédric. 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 Une crotte, s'il vous plaît. Si je lui ai bien refilé ma poisse, il doit être... Hé, Cédric, maintenant, c'est sûr, j'ai plus la poisse. Écoute, vieux, je sais vraiment pas ce qui me retient. Coucou, Cédric. Regarde ce que j'ai gagné à la pêche miraculeuse. J'aurais préféré la méduse, mais bon... Bah, tu viens, Chen. On va au tir au canard. J'ai promis à Nicolas de l'encourager. Allez, à tout à l'heure. Bah, tu vois, maintenant, c'est toi qui l'as. J'ai pas la poisse, et je le prouve. Ça, c'est pour Chen. Vas-y, tu l'as presque. Pas de chance, essaie encore. Ouais. Oh non, mince de mince. Pas de chance, essaie encore. Chance, essaie encore. Oh. Et allez, je vais la voir. Il ferait mieux de l'acheter. Oui, 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 vas-y. Yeah. Oh, ben pas de chance, panne de jus. Désolé, mais je peux pas ouvrir la machine. J'ai plus de méduses en stock. Pas de chance. Merci quand même. En tout cas, t'avais raison. Maintenant, c'est moi qui l'ai, ta poisse. T'inquiète, vieux. Je te lâcherai pas. Je sais ce que c'est. Hé, mais attends. Si tu m'as refilé ta poisse, peut-être bien que je peux la refiler à quelqu'un. ça va, Nicolas? T'as pas trop chaud? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu veux que je te tienne ton sac? Non, ça ira. Ça te dérangerait de te pousser un peu. Bravo! Allez, allez, on tente sa chance. Ici on joue, ici on gagne. Tu tires trop bien. Je veux juste regarder comment tu fais. Psst. Quoi? De la refiler, cette saleté de poisse. Bon, alors, Cédric, on va à la grande roue? Bah, j'ai plus de tickets. J'en ai, moi. Bah, zut alors. La poisse, je les ai perdues. Hein? Christian, hein, t'es vraiment sympa de nous donner des tickets. Qu'est-ce qui se passe? Problème technique. Les passagers sont priés d'attendre dans le calme. Décidément, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Il y en a pour une petite demi-heure. Oh, une petite demi-heure, c'est vite passé. Finalement, avoir la poisse avec Chen, c'est plus tout à fait la poisse. Tu sais, Chen, justement, il y a un truc qu'il faut que je te dise depuis longtemps.
Chen, je... Rédaction. Nicolas, 8 sur 10. Bravo, Nicolas. Excellente rédaction. Merci, mademoiselle Nelly. Chen, 8 sur 10. Félicitations. Ex aequo avec Nicolas. Cédric, 3 sur 10. Et encore, c'est généreux. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Tu te laisses aller. Il va falloir que tu te reprennes. Christian peut mieux faire. 4. Manu, 5. Tu regardes trop la télé, Manu. Oh là là, 4, c'est la cata. Remarque-toi, c'est encore pire. Wow, tu parles trop cool. Une note comme ça, je pouvais pas rêver mieux. La rédac à la maison, ils m'ont tous donné un coup de main pour la faire. Résultat, j'ai pas pu aller au foot et une mauvaise note. Mais cette note, c'est leur note. Après ça, ils vont peut-être me laisser tranquille avec et les devoirs. Et n'oubliez pas de ramener vos bulletins signés demain. Ça, par contre, c'est moins cool. Bon, d'accord pour la rédaction, Cédric. Soit on n'est plus dans le coup, soit les méthodes ont changé. Mais pour le reste, c'est le troisième bulletin aussi mauvais. Mais enfin, c'est incompréhensible. Même ta maîtresse le dit. Tu as tout pour y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Je crois que ton seul problème, Cédric, c'est que tu préfères aller jouer avec tes copains au lieu de faire tes devoirs. C'est pas vrai. Je les fais, mes devoirs. Dis plutôt que tu les expédies. Promis pas. À partir de maintenant, je vais les faire bien. C'est ce que tu dis à chaque fois. Écoute, Cédric, on a tout essayé avec toi. Et t'aider nous-mêmes à faire tes devoirs n'est visiblement pas la solution. Il est temps que tu te ressaisisses. Et pour ça, je ne vois qu'une chose à faire. Du soutien scolaire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cauchemar. C'est quelqu'un qui vient à la maison t'obliger à faire tes devoirs. Ma mère, elle a mis une annonce à sa boulangerie. Elle a déjà reçu 3 coups de fil. Bonjour. Je viens pour l'annonce. Oh non, blaireau futé, pas lui. Il a redoublé toutes ses classes. C'est pour ça que je connais tout le programme. C'est ici pour que je donne des cours. C'est lui, là, le nain de jardin. Pour cette taille-là, c'est 20 euros de l'heure. 20 euros? Et pourquoi pas 30? Désolé, mais c'est trop cher. Bonjour, c'est bien ici la maison des Dupont. Je viens pour la petite annonce. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je ne suis disponible que le jeudi à partir de 5 heures. Le jeudi, c'est parfait pour moi. J'ai pas foot. Le jeudi, moi, je peux m'arranger pour finir plus tôt. Moi, de toute façon, je suis là tous les jours. Excusez-moi, mademoiselle. Désolée, mais les cours sont pour Cédric et il en a besoin au moins 3 fois par semaine. Merci et au revoir. J'ai vu votre petite annonce dans le journal local. Ah, parfait. Oui, très bien. Eh bien, c'est d'accord. À demain. Elle m'a l'air très bien, cette madame Binoche. C'est une ancienne directrice d'école à la retraite. Tout ce qu'il y a de mieux pour toi, Cédric. À la retraite? Mais alors, elle est super vieille. Eh oh, gamin, qu'est-ce que tu as contre les vieux? Quoi? Madame Binoche? Tu sais comment on la surnomme? Le vieux dragon? Tu parles un peu que je la connais. C'est ça, tu vas me dire que tu l'as vue à la télé? Je te ferai dire d'abord que c'est pas à la télé que je l'ai vue. Mais mon grand frère, il l'a eu à l'école. Je te raconte pas. Terrible! Un vrai monstre! Le genre à te faire apprendre tout par cœur. Mon frangin, il en fait encore des cauchemars. Faut toujours que t'exagères, toi. Allez, t'en fais pas. Je suis sûre que ça va bien se passer avec elle. Si ça se trouve, elle est super sympa. Et puis si elle est vieille, elle va bien s'entendre avec ton pépé. Exercice suivant. Un homme marche derrière un âne.
conjuguer et expliquer la phrase suivante, jeune homme. Je suis ce que je suis et je ne suis pas ce que je suis. On se demande quel est l'âne qui a inventé un truc pareil. Monsieur, sachez que de mon temps, les enfants connaissaient leur conjugaison par cœur et savaient écrire sans faute. Oui, eh bien, madame, moi, sachez que de mon temps, on se contentait d'apprendre aux enfants à lire, écrire et compter sans les torturer. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Vous, 7 fois 8, vite. Comment? Est-ce que je sais, moi? Je vois. Avant d'intervenir, vous feriez mieux de réviser vos tables de multiplication, jeune homme. Maintenant, laissez-moi travailler. Reprenons. Un homme marche derrière un âne. C'est ça, marrez-vous. Et vous, vous savez combien ça fait, 7 fois 8, hein? 56, pourquoi? Ah non, papa, ne le prends pas mal. Mais Cédric a vraiment besoin de soutien scolaire. C'est vrai, tes parents ont raison, gamin. C'est pour ton bien. N'empêche qu'elle mérite bien son surnom. Un homme marche derrière un âne. Conjuguez et expliquez la phrase suivante, l'homme. Je suis ce que je suis et je ne suis pas ce que je suis. N'importe quoi. N'importe quoi. Et d'abord, tu suis qui? Moi, j'ai pas compris. Ben, je suis l'âne, tiens. Vous, faites trop vite. Feriez mieux de réviser vos tables au lieu de rire. Moi, je vous le dis, avec mon pépé, on va lui en faire baver au vieux dragon. T'as raison. Faut pas se laisser faire. 7 fois 8. Bravo, jeune homme. Vous avez plus de dents pour le théâtre que pour les études. En attendant, je vous rappelle que nous avons rendez-vous. Aïe, aïe, aïe. Oups. Merci, les copains. Ma réunion 1515. Couronnement de Charlemagne. Eh bien, j'attends, jeune homme. Complètement stupide. Pardon? Rien. Je disais que c'était stupide. Ça fait une heure que vous lui faites apprendre des dates par cœur au lieu de l'intéresser au sujet. C'est pas comme ça qu'on apprend l'histoire aux enfants. D'abord, on dit ce n'est pas comme ça. Ensuite, sachez que mes méthodes ont fait leur preuve en 40 ans d'exercice, monsieur. Alors retournez voir votre télévision et laissez-moi travailler, je vous prie. Vous savez ce qu'elle vous dit, ma télévision? Ouais, vous savez ce qu'elle vous dit, sa télévision? Cédric, je parle avec Madame Binoche, pas avec toi. Inutile de nous énerver, mais je vous préviens. Je ne vous laisserai pas torturer mon petit-fils plus longtemps. Le torturer, moi? Attention à ce que vous dites! Évidemment, si votre grand-père se mêle de ce qui ne le regarde pas, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, jeune homme. Ce sera bien votre faute si Cédric rate ses études. Mon petit-fils, je m'en occupe depuis qu'il est grand comme ça. Alors c'est pas vous qui allez m'apprendre comment m'y prendre avec lui. Compris, espèce de vieux dragon? Non! Je ne resterai pas un instant de plus dans cette maison. C'est ça, il n'y revenait plus. Super, Pépé, tu l'as bien eu. Ouais. Je me demande comment tes parents vont le prendre. Franchement, papa, c'est pas malin, malin. Tu veux vraiment que Cédric échoue à l'école? Non, bien sûr que non. Mais a-t-on besoin d'engager un dragon pour faire entrer quelques malheureuses dates dans ce fichu crâne? Je le répète, le gamin, il est intelligent. Tout ce dont il a besoin, c'est de se mettre au travail. Et pour ça, il n'a pas besoin du vieux... de Madame Binoche. Ne crois pas que tu vas échapper à des cours particuliers, mon petit Cédric. Mais en attendant, va falloir trouver quelqu'un d'autre. Oh, il y avait bien cette jeune étudiante. Tu sais, celle qui n'était libre que le jeudi. Bon, d'accord, avec Pépé, on a réussi à virer le dragon. Mais les parents, ils veulent toujours que je découvre. J'ai essayé de bosser un peu plus pendant un moment. Peut-être qu'ils oublieraient. Attends. Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Hé, Chen, attends-moi. T'aider à faire tes devoirs? Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps entre le violon et l'équitation. Je sais pas. Bah ouais, mais comme t'es la première de la classe comme ça, moi j'aurais peut-être des meilleures notes. Allez, dis oui. Pourquoi pas? Mais d'abord, il faut que je demande à mes parents s'ils sont d'accord. Trop fort! Comme ça, tu fais tes devoirs et tu passes du temps avec Chen. Ouais, j'ai vu un truc comme ça à la télé. Mais le gars, à la fin, il s'apercevait qu'il pouvait plus la voir en peinture, la fille, tellement elle le faisait bosser. Oh, toi! Salut, les gars. Vous êtes prêts pour écouter mon exposé? Préparez-vous à en apprendre des choses. Oh, lui! Bon, Cédric, les parents de Chen sont d'accord. Je viens de les appeler. Vous pouvez commencer dès demain. T'es sûr que c'est une bonne idée? Ça ne va pas recommencer comme avec Christian, quand ils faisaient leurs devoirs ensemble? Non, non, pas, je te jure, Chen, elle est hyper sérieuse. Elle t'a qu'à demander à Mademoiselle Nelly. Bien joué, gamin. Chen, Cédric, venez me voir. Franchement, je ne suis pas contente. Depuis que vous faites vos devoirs ensemble, les notes de Chen s'écroulent. Et toi, Cédric, tu ne fais plus aucun progrès. Je suis désolée, mais cette situation ne peut plus durer. Je me vois dans l'obligation de prévenir vos parents. Allons, gamin, c'est pas la fin du monde. Tu peux pas comprendre, toi.
Bon, vous ne pouvez plus faire vos devoirs ensemble. Allez, ça ne t'empêchera pas de la voir au parc, ta chinoise, ni à l'école. À propos d'école, gamin, tu ne crois pas que tu exagères? Regarde tes parents, ils se font du souci pour toi. Ils ne savent plus quoi faire, alors qu'il te suffirait de te remettre au travail, dit Joe. Alors même toi, t'es contre moi? Mais moi, j'ai pas le temps de faire une heure de devoirs tous les soirs. J'ai autre chose à faire, moi. J'ai des copains, moi. Je m'appelle pas Nicolas, Denis, machin chose, moi. Je suis pas premier de la classe, moi. Dites-moi, j'ai peut-être une idée qui pourrait bien lui remettre le pied à l'étrier au gamin. On fait comme prévu? Je t'appelle dans un quart d'heure pour aller jouer au foot ou tu veux faire tes devoirs? Appelle-moi. Attention, le voilà, vous êtes prêts? Oui. Écoutez, c'est très gentil de votre part. Et ce serait possible dès demain? Juste une heure par jour? Oh, mais ce serait parfait! Parfait, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux! Encore une fois, merci, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux! À demain, donc, et au revoir! Oh, Cédric, bonjour, mon bonhomme! J'ai une bonne nouvelle pour toi! Figure-toi que Madame Dolnay est d'accord pour que son fils, tu sais, Nicolas, vienne te donner des cours particuliers après l'école. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Quoi? Oui, mon chéri, ton père et moi, on a pensé que c'était une bonne idée. Écoute, c'est la solution idéale pour que tu fasses enfin tes devoirs. 1. Il est premier de la classe ex aequo avec Chen. 2. Je suis à peu près certain que tu n'as pas spécialement envie de jouer avec lui. Ça t'évitera de faire le zozo au lieu de travailler. Ah non, pas lui. Alors là, pas question. Où est-ce que tu vas? Faire mes devoirs. Le Nicolas, il mettra pas les pieds ici, bande de traîtres. Oh. C'est toi, Christian. Non, Cédric ne pourra pas venir jouer avec toi. Pourquoi? Je crois qu'il est en train de faire enfin ses devoirs et il a demandé à ce qu'on ne le dérange plus. Vous devriez avoir honte d'avoir monté un bobard pareil au gamin. Papa, je te rappelle que c'est ton idée. Oui, efficace, mais je me demande combien de temps ça va durer. Bon, il sera toujours temps de trouver autre chose, mais la menace de voir Nicolas débarquer durera bien jusqu'au prochain bulletin. La console, les devoirs, la console, les devoirs... Et demain, tu me réciteras tout ça. Elle était inquiète pour moi. C'est sûr, elle m'aime. Trop top, ces vacances de Pâques. Tu vas quand même pas faire exprès de tomber tous les jours. Je vais me gêner, tiens. Allez, ciao, à demain au parc comme d'hab. Ah, Cédric, tu tombes bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La mauvaise, c'est que ta tante Julie s'est blessée au ski. Oh, et elle s'est fait mal? Non, non, rien de grave, je te rassure. Mais elle est plâtrée et doit rester quelques jours à l'hôpital. Et la bonne? Et comme son mari est en voyage d'affaires, elle ne peut pas s'occuper de ta cousine Yolande, qui était avec elle à la montagne. Elle nous a demandé si on pouvait la prendre pour le reste des vacances à la maison. Quoi? C'est ça que t'appelles une bonne nouvelle? Mais enfin, Cédric, je ne comprends pas. Tu devrais être content de voir ta cousine. En tout cas, elle, elle est ravie de venir. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Elle était même impatiente de te revoir. Alors ça, ça m'étonnerait. Yeti, impatiente de me revoir, elle peut pas me sentir. Entre nous, c'est la guerre. Cédric, je t'ai déjà dit de ne pas appeler ta cousine Yeti. La guerre, la guerre. Eh oh, gamin, tu crois pas que t'exagères? Yeti. Je veux dire, Yolande, avec moi, c'est une vraie peste. C'est sûr, la gamine, des fois, elle a la dent dure. Même avec vous. Vous vous souvenez la dernière fois? À table. Rôti de veau et purée maison. Appétissant tout ça. C'est toi qui l'as cuisiné, Marie-Rose? Oh, oui, pourquoi? Chez moi, ma maman, elle le fait pas comme ça. Elle le fait mieux. Chez nous, on ne mange pas n'importe quoi. C'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Yolande a eu le temps de changer. De toute façon, il n'y a pas à discuter. Yolande viendra passer le restant des vacances à la maison. J'irai la chercher demain à la gare. Et tu as tout intérêt à bien te comporter avec elle. Compris? Allons, gamin, tu exagères. Et puis, ce n'est que pour quelques nuits. La nuit, ça arrive aussi qu'on fasse des cauchemars. Bonjour Yolande. Bonjour. Et Cédric, il est où? Il est dans sa chambre. Je peux monter le voir, s'il te plaît? Bien sûr, il est sûrement aussi impatient de te voir que toi. Super. Où Yolande a beaucoup changé. Où sa mère lui a fait la leçon. Salut le naze. Tiens, il est là aussi, l'autre Christian à lunettes. Bon, ben, je te laisse, à plus tard au parc. Bon courage, vieux. Alors, il paraît que je dois partager la chambre avec toi. Ben, dis donc, ça n'a pas l'air bien confortable, ce truc-là. Ben, tu dormiras quand même. Je te préviens tout de suite, moi, je dors dans ton lit. Déjà, ta chambre, elle est ringarde, alors compte pas sur moi pour dormir là-dessus. Bon, d'accord, mais moi, je te préviens, interdiction absolue de venir jouer au parc avec moi et mes copains. Tu fais encore des maquettes à ton âge? Ouais, et t'as pas intérêt à y toucher. Non! Ah, Cédric, arrête! C'est Cédric! Il veut pas me laisser entrer dans sa chambre. Il dit que j'ai le droit de toucher à rien. Je veux ma maman. Cédric, descends immédiatement. J'ai rien fait, moi. Je t'ai dit de descendre. Alors? C'est elle. Elle a touché à ma maquette. C'est pas vrai. Je voulais juste la regarder. Menteuse. Tu l'as secouée exprès. Ça suffit. Cédric, tu as intérêt à te montrer un peu plus gentil avec ta cousine. Oh, toi! Cédric. Elle me fait des grimaces. Si vous arrêtiez un peu tous les deux, hein? Génial! Et dis, Cédric, et si on allait au parc, on pourrait jouer ensemble? Excellente idée. L'air vous fera le plus grand bien. Oh. T'avais promis de pas venir jouer avec nous au parc. Moi, j'ai rien promis du tout. Au fait, t'es toujours amoureux de ta chinoise? Ouais, et t'as pas intérêt à l'embêter. Oh, moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Parce que la pauvre chérie, elle a toujours l'air aussi tarde. La corde à sauter, à son âge. Alors là, je t'avais prévenu. Espèce de... Espèce de Yeti! Yeti? C'est tout ce que t'as trouvé? Cause toujours, tu m'intéresses, gros naze. Quoi, l'autre?
T'as peur qu'on te la vole ou quoi, ta casquette de nul? Ça, une casquette de nul? Mon pauvre Cédric, décidément tu comprends rien. Et les super tendances, c'est autre chose que ce que porte ta chinoise. C'est mon père qui l'a ramenée de New York, alors je voudrais pas que tu y touches. Délicieux. Qu'est-ce que tu cuisines bien? J'en reprendrai bien un petit peu. Oh. Cédric, t'as vraiment pas de chance. Tu ne t'es pas fait mal au moins? N'importe quoi! Pourquoi j'aurais fait ça? C'est pas ma faute à moi si tu ranges pas tes affaires! Allons, Cédric, calme-toi. Ta cousine n'y est sûrement pour rien. Ça fait rien. Je suis sûre qu'aujourd'hui, on va bien s'amuser avec Cédric. Pas vrai? C'est vraiment pas juste! À chaque fois, c'est moi qui ai tort! Et elle, elle se fait jamais prendre! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gamin? C'est pas comme ça que tu vas gagner contre elle! Les filles, ça a toujours été plus malin que les garçons! C'est pas vrai, tu vois, toi aussi tu prends sa défense maintenant. Mais non, gamin, mais si tu veux avoir la paix, sers-toi un peu de ta caboche. Et puis n'oublie pas, elle n'est là que pour quelques jours. Alors, le naze, c'est qui la plus forte? Si tu veux qu'on fasse la paix, écoute-moi bien. Tout d'abord, tu devras faire tout ce que je veux. Me préparer mon petit déjeuner, jouer à ce que j'ai envie, me laisser toucher à toutes tes affaires. Ah oui, et si je refuse? Je peux toujours raconter des trucs sur toi à ta chinoise, comme par exemple que tu caches une photo d'elle dans ton tiroir. C'est pas comme ça que tu vas gagner contre elle. Sers-toi un peu de ta caboche. Ok, t'as gagné, qu'est-ce que tu veux faire? Trop fastoche avec vous les garçons. Bon, pour commencer, tout à l'heure au parc, tu vas faire tout ce que je dis. Alors, c'est d'accord, Christian? On fait comme ça? Préviens Chen, moi je m'occupe du reste. Oh, la v'là, je raccroche à toutes. Ma pauvre petite, tu te fais encore des nattes. Ça fait au moins 2 ans que ça ne se fait plus. Et ça, c'est le top. C'est bon, j'ai réussi à éloigner César de son nid. Toi, t'es trop petite. Tu peux y aller. Hé, hey, Yolande, tu sais pourquoi les garçons, ils embêtent toujours les filles? Parce qu'ils sont bêtes, non? Non, c'est parce qu'ils aiment ça. Rends-moi ma casquette. Attrape-la si tu peux. Attrape. Tiens, voilà. Jolie. Hé, Yeti, ta casquette, t'as qu'à aller la chercher toi-même. Ça, tu vas le regretter, le naze. Elle dit toujours ça quand ça va plus. C'est ça que tu cherches? Rends-moi ça! Je vais le dire à tes parents et je vais leur dire aussi que tu m'as poussée dans l'eau et que t'as jeté ma casquette! Ou la cafeteuse! Et tu vas leur dire aussi tout ce que t'as dit sur eux et tout ce que tu m'as fait quand ils avaient le dos tourné? Gros malin! Moi au moins je me fais pas prendre! Et puis tes parents ils peuvent rien me faire! D'abord c'est moi l'invité! Mais ça ne te donne pas tous les droits, Yolande! Et quoi que Cédric t'ait fait, je serais bien curieuse de savoir ce que toi tu lui as fait pendant qu'on avait le dos tourné! De toute façon j'en ai marre! Je veux retourner chez moi! Un coup de chance! Ton père est rentré de voyage, Yolande! Il va pouvoir s'occuper de toi! Je vais te raccompagner à la gare! Va préparer tes affaires! Allez, j'espère que ça se passera mieux la prochaine fois! Embrasse tes parents pour nous! J'espère que ta mère va mieux. Ah, mais c'est dégoûtant. Oh, mon chewing-gum. Je le cherchais partout. Cédric. Oh,
Tu vas encore être en retard. Allez, dépêche-toi. Mais j'ai pas classe. Chérie, à toi de jouer. Moi, je renonce. Cédric, allez, y en a marre maintenant. Lève-toi, fiston. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas classe. Comment ça, il n'y a pas classe? Il n'y a pas classe, il paraît. Il n'y a pas classe, mais c'est vendredi. C'est la journée des personnes âgées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la journée des personnes âgées, je vous dis. C'est pas moi qui l'ai inventée. Et comme j'ai choisi Pépé, j'ai bien le droit de faire la grasse mat. Tu peux être un peu plus précis, Cédric. Ça consiste en quoi, cette journée des personnes âgées? À part faire la grasse mat. Mademoiselle Nelly nous a demandé de trouver une personne âgée pour s'en occuper pendant toute une journée et de la ramener à l'école pour un méga goûter dans la cour. Moi, j'ai choisi Pépé. Tu aurais pu nous prévenir. En plus, je ne suis pas là de la journée. J'ai rien prévu pour ton déjeuner, moi. Je ne comprends rien à cette histoire de journée des personnes âgées. Tu es au courant, papa? Au courant de quoi? Bon, chérie, si tu veux que je te dépose, faut y aller. Il va falloir que je tire ça au clair. En tout cas, Cédric va rester avec toi toute la journée. Ça ne t'embête pas? Du moment qu'il ne m'empêche pas de suivre ma course cycliste. Je file. Au revoir, papa. À ce soir. Fernandini qui quitte le premier peloton. Ah, quel coup de pédale magnifique. Est-ce qu'il va réussir à prendre ses distances pour de bon? Et on dirait bien que oui, mais voilà Pouliken qui se détache aussi, suivi de très près par Braquetti. C'est top, hein? Non, mais t'imagines, aujourd'hui, tu m'as rien que pour toi. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Mm-hmm. On peut aller au cimetière voir Mémé Germaine. Ou alors jouer aux boules, c'est comme tu préfères. Cédric, s'il te plaît. Je peux aussi préparer le déjeuner. J'ai sauvé des griffes de ton père un reste de cassoulet d'hier soir. Il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Comme tu veux, c'est ta journée. Je vais pas te contrarier. Du moment que tu viens avec moi tout à l'heure au goûter avec les autres. Les autres? Quels autres? Bah, les autres personnes âgées. Mademoiselle Nelly a organisé un méga goûter avec tous les retraités du quartier. Chaque enfant doit amener le sien. Un goûter de vieux? Nom de nom! Mets-moi à l'hospice tant que tu y es! Mais de quoi je vais avoir l'air si je vais au goûter sans toi? Qu'est-ce que je vais dire à Mademoiselle Nelly, moi? Pas question d'aller à ce goûter! Si tu veux un retraité, va donc proposer tes services à Madame Commère! Papa a bien raison quand il dit qu'on peut jamais compter sur toi. En plus, tu râles tout le temps. Je retire ça tout de suite. Non, tu penses qu'à toi. Non, Titiou, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Moi, égoïste et râleur. Et puis d'abord, on peut jamais compter sur toi. Na. Oh. Bonjour, monsieur Boudinet. Il est pas là, Cédric? Chen? Bonjour, Chen. Ah, bien sûr que Cédric est là. Tu veux lui parler? C'est parce que je devais garder une dame qui est hyper âgée, mais sa fille est venue parce qu'elle est tombée hyper malade et il a fallu l'emmener hyper vite à l'hôpital. Alors je suis venue demander à Cédric si je pouvais m'occuper de vous avec lui. Jen, je suis là! Mais je suis flattée qu'une si jolie jeune fille et si bien élevée veuille s'occuper d'un râleur égoïste comme moi. Eh bien, c'est d'accord, j'accepte. Entre! Tiens, toujours là, toi. Tu ne devais pas aller chez Madame Commère. Ah bon? Tu t'occupes pas de ton pépé? J'ai bien fait de venir, alors. Je... Et comment que tu as bien fait de venir? Mais je dois t'avouer une chose, mon petit. Pour le goûter, il va falloir m'oublier. Je n'aime pas les goûter. À tout à l'heure, gamin. Bon courage avec Madame Commère. Oh, tu connais Cédric. Toujours prêt à faire une bonne action. M'en fiche. J'irai pas chez Madame Commère. Je serai pas l'esclave de cette vieille toquée. Vas-y. Français, qui ont maintenant 30 Vas-y, je te dis. Ouais, vas-y, tu veux la voir. Tu m'avais pas dit que t'aimais le vélo, Chen? Un peu que j'aime, mais la dame âgée dont je devais m'occuper, c'était pas son truc, le cyclisme. C'est pas comme ton pépé. On s'entend bien tous les deux, hein? Au fait, je t'ai pas demandé, tu aimes le cassoulet? Ça oui. Tant mieux, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Pas vrai, Cédric? De toute façon, j'ai pas très faim, je me suis levé tard. Et puis je vais pas tarder à y aller. C'est ça, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure à l'école pour le goûter.
vous retrouver d'ici quelques instants en direct pour l'arrivée de cette grande étape, juste après le flash info de midi. Bon appétit à tous. Tu as faim, toi? Viens, on va se faire réchauffer notre cassoulet. Vous devriez faire du tai chi, c'est bon pour les articulations. Tai chi? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Hop, hop, et hop. C'est super simple. Ah oui, hop, hop, et hop, hop. Chen. Qu'est-ce qui se passe? C'est Pépé, il nous a déjà fait une alerte, son cœur. Il a fallu l'emmener à l'hosto. T'as bien fait de me prévenir. Sans gravité pour Fernandini. Monsieur Boudinet, l'étape, elle recommence. Hop, hop, hop. Tu es sûr que tu n'en veux pas, gamin? Je t'en ai laissé sur la table. Au fait, tu l'as laissé tomber, Madame Commer. Bravo. C'était une super étape quand même. Vous voulez encore du café? Psst, psst. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Tu veux le tuer? Le café, c'est très mauvais pour lui. Ah bon? Et depuis quand? Ton grand-père, il est assez grand, il fait ce qu'il veut. Je suis pas sourd, baisse le son, gamin. Et ta course, Pépé, tu la regardes plus? Si tu suivais un peu, t'aurais vu qu'elle était finie. Excusez-moi, monsieur Boudinet, mais ce que j'ai à dire à Cédric n'est pas pour toutes les oreilles. Il y en a marre, Cédric! Tu veux que j'arrête de m'occuper de ton grand-père ou quoi? Tu crois que je vois pas ton petit manège? T'es rien qu'un égoïste! Un égoïste et un jaloux! Égoïste et jaloux, bien envoyé! Tu ferais mieux de t'occuper de Madame Commer qui est toute seule au lieu de perdre ton temps à nous surveiller! Eh ben j'y vais! Puisqu'on ne veut pas de moi ici! Mais c'est qu'il y va vraiment? Non, il va pas oser! Mais si, il ose! Eh ben, avec cette vieille toupie, il ne va pas rigoler. J'ai pas bien compris, tu veux quoi exactement? À l'école, personne voulait venir chez vous. Moi je me suis dit, c'est pas juste, cette pauvre Madame Commer qui va se retrouver toute seule, alors que c'est le jour des personnes âgées. Le jour des personnes âgées? Jamais entendu parler de ce truc-là. Même que tout le monde a dit qu'il fallait surtout pas, mais surtout pas vous dire qu'il y avait un méga goûter, pour que vous ne veniez pas à cause de votre caractère. Mon caractère? Qu'est-ce qu'il a, mon caractère? Allez, entre, mon garçon, tu as bien fait de venir me voir. Tu aimes les crêpes, au moins. Les crêpes à la confiture, c'est ma spécialité. Non, non, je ne veux surtout pas vous déranger. Excuse-moi, je me fais du souci pour Cédric. Cette Madame Commer, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle va lui faire nettoyer toute sa maison. Pauvre gamin, tout ça c'est ma faute. Et Caredas, j'ai gagné. Tu as gagné, c'est bien, bravo Chen. C'est gentil de m'avoir laissé gagner, Monsieur Boudinet, mais on dirait que je compte pour du beurre depuis que Cédric n'est plus là. Oh, non, pas du tout. Mais je m'inquiète pour le gamin. Peut-être que tu pourrais aller voir comment ça se passe chez la voisine. Ah non, puis d'abord, c'est bientôt l'heure du goûter. Et si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Comme ça, vous verrez Cédric, je suis sûre qu'il y sera. Tu as peut-être raison, après tout. Allons-y, viens. Madame Commer, c'est l'heure. Si vous êtes sûre de vouloir venir au goûter, il faudrait peut-être se bouger. Allons-y, je suis très curieuse de voir la tête des autres quand ils me verront. Alors, comme ça, ils n'aiment pas mon sale caractère. Vous voulez un gâteau? Alors, comment t'es? Il devrait déjà être là. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Mais non, monsieur Boudinet, ils vont sûrement arriver. D'ailleurs, les voilà. Oh, te voilà. Désolé, gamin. J'espère que cette vieille pique ne t'a pas trop fait souffrir. Bof, tu sais, ça n'a pas été facile, mais au fond, elle n'est pas si méchante. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Dis-le. Dis-le à ton vieux grincheux. Je vais lui régler son compte. Mais non, Pépé. Elle a été super. J'ai pas arrêté de manger des crêpes. Sa spécialité, c'est la confiture de myrtille. Regarde, j'ai la langue toute bleue. Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Vous allez pas recommencer à vous disputer, la fête va commencer. Vous êtes le grand-père de Cédric, venez un peu par ici. On a plein de choses à se raconter. Quelle chance, un petit-fils si merveilleux. Je donnerais tout pour avoir le même. Mes chers amis, je suis très heureuse de vous voir ici tous réunis. Nous avons préparé pour vous une petite surprise. Vous en mourrez d'envie. Eh bien, moi aussi. Je vais te dire un truc, Cédric. Ton pépé, il t'aime drôlement. Tu viens? J'ai super faim. Il y a plein de gâteaux et des bonbons. Eh ben, ça va pas? Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Des gâteaux et des bonbons. Ça, c'est pas banal. Oui, c'est comme les marguerites d'hier matin. On dirait que c'est pour toi, gamin. Tu vois bien que ce n'était pas pour moi, les fleurs, Robert. Montre voir, gamin. C'est un bracelet brésilien. C'est un bracelet de souhait. Les filles, elles en font plein en ce moment. Tu le mets autour de ton poignet, tu le portes jusqu'à ce qu'il s'use et quand il tombe, ton souhait se réalise. C'est très joli. Attends. Le souhait de celui qui le porte ou de celle qui l'offre? Je sais pas. En tout cas, ça peut pas être chaîne, un truc aussi nul. Va savoir, les filles, parfois, elles ont de drôles d'idées. Chaîne? Hé, gamin, réveille-toi. Je ne pense pas que ce soit ta japonaise. J'ai ma petite idée là-dessus. J'y vais, Pépé. Christian m'attend. Elle-même pour de bon, je vous dis. La preuve. C'est quoi ce bout de laine? C'est le cadeau qu'elle a laissé devant chez moi ce matin. Hier, c'était des marguerites. C'est sûr, elle-même. Mais comme elle est timide, elle n'ose pas me le dire. C'est bizarre quand même. Il y a comme un problème. Je vois pas du tout où il est le problème. Bah, c'est que Chen, elle est partie chez son cousin avec son père dimanche soir pour 2 jours. Donc elle ne rentre que ce soir. T'as raison. Comment j'ai pu oublier un truc pareil? Mais alors? Cédric dort encore? Ça sert à ça les vacances. Il récupère. Des efforts fournis pour son dernier bulletin. Allons, mon gendre. Dites-vous plutôt qu'il prend des forces pour le prochain. Oh. Chut. Ah ah! Je me doutais bien que c'était toi. Capucine! Où es-tu, ma chérie? Bonjour, monsieur Boudinet. Vous connaissez ma petite nièce? Elle passe quelques jours avec moi, je la ramène à ses parents ce soir. Bonjour, madame Bertrand. C'est donc toi qui laisses tous ces cadeaux? C'est pour lui. Quand
quand je serai grande, je veux me marier avec lui. On dirait que tu as une admiratrice, gamin. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous déranger. Il semble que Capucine se soit entichée de votre Cédric. Allez, ma chérie, on rentre à la maison. Elle ne nous dérange pas du tout. Tu peux venir jouer avec Cédric tout à l'heure, si tu veux. Ça lui fera plaisir, n'est-ce pas, Cédric? Elle est très mignonne, cette petite. Tu la connaissais, Cédric? Jamais vue. Mais elle, elle t'avait vue l'autre jour. Je taillais la haie et... Capucine, on y va. Qu'est-ce que tu attends? Bravo, Cédric. Cédric lui a tapé dans l'œil à cette petite, c'est certain. Ça va pas, non? C'est un bébé. Elle ne doit pas avoir plus de 5 ans, cette gamine. Ah, l'amour n'a pas d'âge. Salut, séducteur. À ce soir, tout le monde. Le devoir m'appelle. Va t'habiller, Cédric. La petite ne va pas tarder. De toute façon, cet après-midi, moi, j'ai rendez-vous au parc avec mes copains. Capucine ou pas Capucine, il n'est pas question que je reste ici toute la journée pour jouer avec un bébé. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tu veux un bonbon, Capucine? Oui. Serre-toi, la boîte est juste derrière toi. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, terminé. T'as encore gagné? Waouh, t'es trop fort. Normal. On en fait une autre? Écoute, on en a déjà fait 5, ça suffit, non? Et puis moi, il faut que j'y aille. Allons, Cédric, tu peux bien faire un petit effort. D'accord, mais une dernière, hein. Après j'y vais. Et 12. Et voilà. Bah, c'était sympa, Capucine, mais là, faut que j'y aille. Je vais avec toi. Non, tu ne peux pas. Je vais retrouver mes copains, t'es trop petite. Bien sûr, ma chérie, tu peux aller avec Cédric au parc. Je préviens ta tante. Cédric? Oui? Emmène Capucine avec toi, mon chéri. Une promenade au parc, ça lui fera du bien. Allez, Christian! Hé, hey, Cédric! Ça fait 2 heures qu'on t'attend. On allait partir. C'est qui, elle? Elle, c'est... elle est chez Caligula. Chez Madame Bertrand. Oh, c'est à toi, le nounours. Il est super. Oh, comment tu t'appelles? Capucine. Je suis l'amoureuse de Cédric. Ça va pas, non? Tiens, vous avez perdu votre bébé, ton amoureuse et toi. T'es nul, Nicolas. Moi, je trouve ça très gentil de la part de Cédric de s'occuper de Capucine. Oui, il est très gentil. On va se marier tous les deux quand on sera grand. Eh ben, tu fais des conquêtes à la maternelle maintenant. Bon alors, on joue ou quoi? Voilà, toi. Oh, mais non. Tiens. Oh. Dans le ballon? Ça te fait perdre la tête? La tête ou les pieds? Allez, la mort de tout le monde, Cédric! Écoute-toi. Allez, Caprice. Tu te mets là, tu bouges plus, tu fais un dessin, d'accord? T'es méchant! Je veux plus me marier avec
Cédric Dupont, ça va pas à la tête? T'en prendras une petite comme ça. Elle a raison, Capucine, c'est vraiment méchant, ça. C'est vrai, elle a rien fait de mal. Elle est pas embêtante comme mon petit frère. J'ai fait 8 parties de petits chevaux avec elle, 8. Et puis elle est venue avec moi au parc. J'ai même porté son nounours nul sur tout le chemin. Et elle m'empêche de jouer. C'est pas une raison pour la faire pleurer. Elle est toute petite, elle ne comprend pas. Je t'aime plus. Allez, pleure pas, Capucine. Si tu veux, je te ramène chez ta tante. Oui. Hé, hey, Chen, t'as oublié le nounours de Capucine. Attends-moi, je vous accompagne. Quel nul, ce Nicolas. Il a l'air malin avec sa pluche, hein, les gars. Bah quoi? Tu as été un peu fort avec la petite, quand même. C'est vrai, surtout le dessin. C'est pas très sympa de l'avoir abîmé. C'est pas vrai, ça. Vous vous y mettez aussi, bande de traîtres. Allez, salut, moi je rentre. Entre. Alors, qu'est-ce qui va pas, gamin? Ça s'est mal passé avec la petite Violette, Marguerite. Capucine, Pépé. Ça avait l'air d'être une gentille petite fille. Tu parles. Les filles, c'est n'importe quoi. Les petites ou les grandes, c'est pareil. Capucine, elle m'a collé toute la journée. C'est vrai, mais elle t'aime beaucoup. Eh ben, si c'est ça l'amour, c'est drôlement pénible. Je préfère rester tout seul ou avec mes copains. Si j'en ai encore. Mais toi, Cédric, avec ta petite chinoise, t'es pas un peu collant des fois? Moi? Oui. Certainement pas. Tu comprends rien. Ça a rien à voir, mais alors rien. Bon, c'est vrai que des fois... Mais Chen, c'est pas pareil. Et puis, il y a la différence d'âge quand même. Faut pas oublier ça, la différence d'âge, c'est important. Sûr, c'est important. Mais être petit, ça n'empêche pas d'être malheureux. Et ta petite églantine, là... Capucine, Pépé. Oui, Capucine. Eh bien, elle a un gros chagrin. C'est vrai qu'elle est gentille. Mais attention, un super pot de colle quand même. C'est ce soir que Madame Bertrand la ramène chez ses parents. C'est peut-être pas la peine de la laisser repartir avec un si gros chagrin. T'as raison, Pépé. J'y vais. Capucine, je suis venue te dire au revoir. Et puis, même si t'es trop petite pour qu'on se marie, bah, je voulais te dire que si tu reviens, tu peux venir jouer avec moi aux petits chevaux. Et puis ton dessin, bah, il est super beau et je vais l'accrocher dans ma chambre. Merci. Eh ben, Cédric, ça c'est de l'amour. Tu serais pas un peu jaloux, Nicolas? Allez, les enfants, en route ou nous allons rater ce bus. Le gamin. Eh,
Voilà! Fallait s'y attendre! Soutenez-le! Faites-nous passer pour des tortionnaires! Appelez les services sociaux pendant que vous y êtes! Je vais même faire le numéro pour vous, tiens! Oh, c'est pas vrai! Est-ce que tu peux être soupe au lait, Robert? Pense plutôt aux 3 jours qui nous attendent! Quels 3 jours? Eh bien voilà, il y a 10 ans, ta mère et moi, c'était la nuit des étoiles filantes. Oui, bon, où vous voulez en venir? Papa, laisse-le parler. Oh, c'est toujours pareil ici. La nuit des étoiles filantes, à chaque étoile qui passe, on fait un vœu. Et c'était aussi notre lune de miel. Et ah, cette nuit-là, on a fait un vœu. Et c'était quoi le vœu? De s'aimer toujours. Oh. Et ça a marché? À ton avis? Ce qu'il faut, tu vois, c'est faire le même vœu ensemble, en même temps. Et alors? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que j'ai réservé un gîte à l'endroit même où j'ai fait ce vœu et que nous partons, Marie-Rose et moi, seuls. Oh non! 3 jours? Tu te rends compte, Pépé? 3 jours chez les kangourous? C'est vraiment si horrible? Atroce! Tu montes la tente, il manque toujours des piquets. Puis tu fais du feu, le bois il est toujours mouillé. Après, tu chantes des chansons nulles. Et puis, le pire du pire, Pépé, la dernière fois, je dormais à côté de cette pendouille de Nicolas. Il a un pyjama en soie. Et quand il se tourne, ça fait du bruit, tu peux pas dormir. Et après, tu te mets dans un sac à viande. Et ensuite, dans le duvet. Et le matin, c'est l'horreur. Tu te retrouves coincé, entortillé comme un saucisson. C'était nul et j'irai pas. Oh que si tu iras. Abandonné comme des chiens au moment des vacances. Ah, vous n'en rajoutez pas. Je vous connais, vous en profiterez pour inviter votre copain Auguste qui attend toujours qu'on ait le dos tourné pour venir siffler nos cerises à l'eau de vie. Auguste déteste les cerises à l'eau de vie. Il n'aime que les mirabelles. Oui, c'est ça. Papa? Et pourquoi il ne resterait pas avec moi, le gamin? Parce que c'est sympa pour lui d'aller s'instruire en s'amusant. Oh! C'est bon pour la sociabilité d'être avec des enfants de son âge. C'est pas avec 2 vieux fous portés sur le bocal de cerises. Robert! Dites donc, vous, le vendeur de paillassons! Papa, il plaisantait, voyons. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur Olivier. Qu'est-ce qu'il fiche ici le kangourou? Comme vous le savez les enfants, monsieur Olivier a organisé un week-end spécial sous la tente. Oui, oui, on sait. Eh bien, j'ai décidé d'y participer avec toutes les filles de mon équipe. Tu comprends Pépé, c'est génial, il y aura Chen. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là Pépé? Il fait pas trop bébé? Non, il est très bien. Tu feras au moins 15 ans là-dedans. Faudrait pas que je fasse trop vieux quand même. Je prends du gel pour les cheveux. Tu comprends, elle va me voir le matin au réveil et mes cheveux le matin. C'est sûr, entortillé comme un saucisson et les cheveux hérissés, tu risques pas de faire des ravages. Bon, puisque tout le monde dans cette maison se désintéresse du sang d'un vieil homme seul, je vais me coucher. Bonne nuit, Germaine. Debout, mon bonhomme. C'est l'heure. Et n'oublie pas tes jumelles. C'est une super lunette astronomique que mon père m'a offerte pour regarder les planètes. Parce que les jumelles, c'est vraiment dépassé. Tu as déjà vu l'anneau de Saturne, Chen? Dépassé? Quelle naze! Je vais lui faire avaler sa lunette, moi! Laisse tomber! Le temps qu'il la sorte sa lunette, elles auront déjà filé, les étoiles! Allez! Tout le monde dans le bus! Au revoir! Amusez-vous bien! Vous avez prévu une solution de repli, j'espère? Des orages inattendus, vous y avez pensé? Ne vous inquiétez pas, à partir de mardi, les orages. Prévision à 10 jours sur Internet. Je vois. Salut, gamin! Bon vœu! Au revoir! Au revoir! Au revoir!
ce vieil Auguste. Comment vas-tu, vieille branche? Entre, entre. Mais pourquoi il peut pas dormir ailleurs, Nicolas? Il y en a plein des tentes. À droite, Robert. T'es sûr? Nous sommes déjà passés par là tout à l'heure, non? Oui, ça ressemble. Mais pourtant, c'est bien ce qui est indiqué sur le plan. C'est un duvet que m'a offert mon oncle Aldebert Hulot de Grantaire, un grand aventurier. Il s'en est servi quand il faisait ses expéditions au pôle Nord. Bel instrument, Nicolas. Ça va nous être très utile tout à l'heure. C'est ça. Tu veux voir? Oui. C'est tout. Attends, je teste. C'est pas cette étoile-là, Nicolas. Je peux même te montrer la lune si tu veux. Arrête, Cédric, t'es lourd. Alors, est-ce que je peux voir? Tiens, regarde. Des ennuis, je te le dis. On la gardera pas longtemps, juste pour la première étoile. Un vœu et hop, c'est bon. Ensuite, on la retrouve ni vue ni connue. Mes jumelles, tu vas voir qu'elles vont servir. Avec Lucien, on fait les malins. Avec Fernand, on prend du bon temps. Vite, sors ta lunette, Nicolas. Ah, elle est plus là. T'es sûr que tu l'avais rangée là? Ça y est, ça commence. Tu veux regarder là-dedans, Chen? Tu vas voir, c'est génial. Et là-bas, on sera super bien. Oui, t'as raison, on verra mieux. Ça? Là! Oh non! J'allais juste faire un vœu. Notre vœu! Jen allait faire notre vœu! C'est pas possible! On est déjà passé 5 fois devant ce même arbre. On tourne en rond, Marie-Rose. Nom de nom, il manquait plus que ça. Internet, hein? Nicolas avait récupéré sa lunette. Monsieur Olivier était furax et j'allais le payer. Tout ça, je m'en fichais. Mais ma chaîne n'avait pas pu faire son vœu. Et la voir si malheureuse, ça me brisait le cœur. À toi, Cédric! T'inquiète pas, Chen, on le fera ce vœu, je te le promets. Ils ont sûrement mis les petits à l'abri, voyons. On s'est perdu. Et puis on a crevé. On n'a pas vu les étoiles. On nous a ramenés. On n'a pas fait de vœux. Et... Pour un week-end de nul, c'était vraiment un week-end de nul. Après tout ça, papa et maman ont pas arrêté de se faire des bisous. Pépé a même pas râlé. Il avait trop mal à la tête et son copain Auguste aussi. Les cerises? Ouais. Bonjour les enfants. Oh non, pas lui. Voilà, monsieur Olivier et moi, on a eu une idée. Et là, vous pouvez voir ce superbe anneau de Saturne. Oh, 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 oh.
Maintenant, Chen et moi, on s'aimera toute la vie. Le vœu, elle l'a fait en même temps que moi. Je le sais. Simplement, elle l'a pas dit parce que les vœux, si on le dit, ça marche pas. Et Chen, c'est sûr, elle a vraiment envie que ça marche, nous deux. À l'école, ce serait chouette si on lui offrait chacun une jolie rose. Mais avec une étiquette pour écrire son nom dessus. Bah oui, pour qu'elle sache qui lui a offert. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? C'est une bonne idée, non? Ah, c'est super, les filles. On a pensé que ce serait chouette si les garçons s'y mettaient aussi. Oui, ça ferait un plus gros bouquet. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, oui. C'est une très très bonne idée. Alors on compte sur toi pour en parler aux garçons. Salut! 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 Chen, attends! Une rose, ça coûte combien? Ben, pour en avoir une belle, il faut au moins compter un euro. Mmh. Un euro? Un euro? Ça va pas la tête! Ils y vont fort, les filles! Moi, j'ai plus un rond! Moi non plus! Ça peut pas attendre le début de la semaine prochaine? C'est toujours à ce moment-là que ma mère, elle me donne mon argent de poche! Ben non, hé, Betterave, l'anniversaire, c'est demain! Hé, attendez! Oh. Peut-être qu'en faisant nos fonds de poche, on pourra lui en acheter une seule de rose! C'est ça, une rose avec plein d'étiquettes, on aura l'air de quoi? Toujours que ça tombe mal, les anniversaires. Bon, on a jusqu'à demain. On peut toujours essayer d'obtenir une avance auprès des parents, non? Aïe, 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 aïe. €800? Ce plombier exagère. Il va m'entendre. Ne t'énerve pas, Robert. Ça ne sert à rien. Ah, mon Cédric, tu veux ton goûter? AZ Plomberie, passez-moi votre patron. Non, non, non et non. Mais maman, c'est juste pour offrir une rose à mademoiselle Nelly. Bon... Maudit plombier! Il ne veut rien entendre, même pas moyen de payer en trois fois. Alors, maman, c'est d'accord, c'est juste une toute petite avance. Je rembourserai. Encore une avance? Écoute, Cédric, ça fait au moins 10 fois ce mois-ci que tu nous demandes une avance sur ton argent de poche. Quand ce n'est pas pour inviter Chen au cinéma, c'est pour t'acheter une BD. Alors ça suffit maintenant. Tu n'as qu'à apprendre un peu à garder ton argent de poche. Et puis, si tu veux vraiment un peu d'argent, tu n'as qu'à le mériter. Désolé, Cédric, mais ton père a raison. C'est pas juste. Tout de même, on n'est pas un peu trop dur avec lui? Une rose, ce n'est qu'un euro ou deux. Ne t'inquiète pas, si demain il ne l'a pas, je lui donnerai. M'en moque. Je vais demander à Pépé. Lui, il me refuse jamais rien. Bah voyons. Eh oh, Pépé, ça marche pas. Tu fais semblant de dormir, je le sais très bien. Hein? Oh, c'est toi, Cédric. Bon, d'accord, t'es trop malin, gamin. T'as gagné. Mais c'est parce que j'ai cru que tu allais me demander de l'argent, figure-toi. Moi? Bah non, qu'est-ce que tu crois? T'as entendu ce qu'a dit papa? Pas la peine d'insister. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Rien, rien du tout. C'est juste que... À l'école, mademoiselle Nelly nous a dit qu'il y avait plein de faux billets de 10 euros qui circulaient en ce moment. Des faux billets? Tu ferais bien de vérifier. Oh, 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 minute papillon.
Ce coup-là, tu me l'as déjà fait. Pépé, Pépé, il paraît que presque tous les billets de 10 euros sont faux. Tu crois que c'est vrai, toi? Ah oui? Voyons voir. Et comment on le voit? Il y a une solution, Pépé. Donne. Et maintenant? Attends, je reviens. C'est toi, gamin? Alors? Pas de problème, Pépé, c'était un vrai. Le marchand de glace ne me l'aurait pas pris s'il avait été faux. Tiens, voilà ta monnaie. Alors, on s'est encore laissé avoir? Ça va, ça va. C'est ça, rigole, mais on ne me fait pas le coup deux fois. Allez, Pépé, s'il te plaît, c'est pour Mademoiselle Nelly, c'est juste une avance. C'est non, gamin, ton père a raison. T'es peut-être malin, mais faut que tu apprennes à garder tes sous ou à les mériter. Alors voilà, commissaire, cet homme est entré chez moi. Excusez-moi, inspecteur, nous avons enfin les résultats de l'IS. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Dis-moi, c'est vrai qu'il faut jamais réveiller un somnambule? Oui, il paraît que ça peut les traumatiser et qu'ils peuvent même en garder des séquelles. C'est grave alors? Ben, plutôt oui. Allez, va te coucher. Bonne nuit, mon chéri. Mais pourquoi il demande ça, le gamin? Allez savoir. Je vois plus que ça comme solution. Bonjour. Déjà debout, Cédric? Tu es bien matinal? Hop. Au fait, pourquoi tu m'as posé cette question hier sur les somnambules? Tu dors mal en ce moment? Non, ça va, c'était juste comme ça, pour rien. C'est bien vrai, ça. Ça ne lui a même pas rapporté un sou. Dis donc pas, la voiture, elle est drôlement sale. Je te vois venir, toi. T'aimerais bien la nettoyer contre espèces sonnantes et trébuchantes, bien sûr. Hey, c'est toi qui m'as dit que je devais mériter mes sous. En plus, je me suis levée exprès plutôt. S'il te plaît, pas. C'est pour offrir la rose à Mademoiselle Nelly. De quoi j'aurais l'air, moi, si je suis le seul à ne pas lui en donner? Bon, allez, c'est d'accord. Mais au tarif habituel, hein? Ouais, super, merci, pas. Tu peux me déposer au travail? Je suis en retard. Mais bien sûr, ma chérie. Au fait, tu lui as donné son euro, notre petit Cédric? Oh, oh! Ta-da! La voiture! Oh. Mais Cédric, qu'est-ce que tu as utilisé pour nettoyer la voiture? De l'eau, du savon, une peau de chamois et du papier de verre pour les fientes de pigeon. Elle voulait pas partir. Je l'ai pas fait exprès, pas. C'est parce que je voulais bien faire. J'ai pas vu que ça rayait. On sait bien que tu ne l'as pas fait exprès, Cédric. Tiens, voilà 1 euro pour la rose de ta maîtresse. Non, je le mérite pas. J'ai fait une trop grosse bêtise. C'est tant pis pour moi si je suis le seul à pas offrir de fleurs à la maîtresse. Bonne journée quand même. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Je ne l'ai même pas disputé, moi. Je sais, mais moi, ils me font le cœur quand il est comme ça. Mince de mince, alors du coup tu peux pas acheter une rose à la maîtresse? Ça c'est pas de bol, parce que moi ma mère elle m'a juste donné 1 euro, je peux rien te donner. Ouais, moi pareil. Moi aussi. Bon les gars, faut y aller hein, si on veut acheter la fleur, c'est bientôt l'heure de l'école. Comment tu vas faire alors? Hé hey, Nicolas. Attends, j'ai peut-être une idée. Ramène-toi, j'ai un gros problème. Mmh.
parfois. Mais non, ce n'est pas un problème. Ah oui? Oui, si tu veux la rose, je l'achète pour toi. Tu n'auras plus qu'à remplir l'étiquette. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Trop sympa! Et tu ferais ça pour nous aussi? Pourquoi pas? Vous êtes tous des copains, non? Ah ben dans ce cas-là, on veut bien! T'es un vrai pote, toi! Génial! Avec ça, on va pouvoir s'acheter plein de bonbons! Hé, les gars! Oh, vous avez vu l'heure? On n'a plus le temps pour aller acheter les fleurs! Pas de panique, j'ai la solution! Alors on dit 4 roses avec étiquette? Avec étiquette. Oui, à livrer tout de suite à l'école. Oh, merci. Merci les enfants. Mais il ne fallait pas. Encore une fois, merci vieux, sans toi... Pas de quoi les gars, seulement maintenant il va falloir penser à me rembourser. Hein, quoi? Eh oh, tu l'avais pas dit ça? T'es pas sérieux là? Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous les offrir gratuitement ces roses? Moi aussi j'ai besoin d'argent de poche, je veux récupérer mes sous. Alors on va dire que vous me devez 1 euro chacun et 10 centimes. 10 centimes? Eh hey, mais c'est quoi ces 10 centimes? Un intérêt, c'est comme ça que mon père m'a appris à traiter les affaires. Ton père? Je vais Ouais, et si on rembourse pas, hein? Je vais tout leur raconter. Encore merci, c'est vraiment très gentil. Aux filles? Mais t'es malade! D'abord t'oserais pas. Eh bien, essayez pour voir. Passons à présent à une nouvelle un peu plus joyeuse. Dis Pépé, tu sais, moi je crois bien que plus tard, j'ai trouvé le moyen de devenir riche sans me fatiguer. Ah, si ça existait, ça ferait longtemps que ça saurait, gamin. À cause de Chen ou de Caprice? Ça non, c'est toujours toi qui invite Chen au cinéma et moi c'est Caprice. Comme ça, pas d'histoire. Au fait, tu m'as toujours pas dit, tu peux venir ou pas à mon anniversaire demain? Bah non, finalement, ma mère elle a pris rendez-vous pour moi et ma soeur chez l'ophtalmo. Tu peux pas me faire ça. C'est pas ma faute, elle a pas pu changer le rendez-vous. Oh, c'est trop bête. On va super bien s'amuser. Il y aura que mon pépé pour nous surveiller. On pourra jouer dans le jardin. Ouais, c'est dommage. En plus, Caprice, elle m'a dit qu'elle venait. Allez, si ça peut te consoler, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Yeti, elle a réussi à se faire inviter. Non, Yolande. Oh, dur. Tu me raconteras jeudi. Au fait, puisque je pourrais pas être là demain... Bon anniversaire, Cédric! Ah! Waouh! La BD que je voulais! Merci, Christian, t'es vraiment un super pote! Alors, ton anniversaire, c'était bien? Ouais, bof! Tu sais, rien de spécial. Oh!
Cédric, attends-moi. Au fait, tu l'as apprise, toi, la récitation? La récitation? T'es sûr que tu vas bien? Allez, quoi, raconte ta fête. T'as eu quoi comme cadeau? Rien de spécial. Toi, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Mais rien, qu'est-ce que tu vas chercher, là? C'était juste un anniversaire, comme d'hab. Quoi? Me dis pas qu'avec Yeti, il s'est rien passé. Il se passe toujours quelque chose avec Yeti. Mais puisque je te dis qu'il s'est rien passé de spécial. Hey, Valérie, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Cédric? Ça s'est pas bien passé hier, son anniversaire? Tu rigoles? On s'est super bien amusé. Surtout que son pépé, il nous a laissé jouer tout l'après-midi dans le jardin. Ah ouais, vous avez joué à quoi? À un super jeu, le jeu de la bouteille. Tu ne connais pas? Tu fais tourner une bouteille et si elle tombe sur toi, tu as un gage. Ah, c'est super marrant. Allez, vas-y, Valérie. Enfin, ça dépend du gage, hein. C'est vrai, ça a l'air marrant comme jeu. Oui, et si tu ne veux pas faire le gage, t'en auras encore plus dur. On peut jouer encore Cédric, une fois. Tu m'avais pas dit pour le jeu de la bouteille? Le jeu de la bouteille? Hein? M'en parle pas, c'est Yeti qui a inventé ça. Ouais, et tout ça à cause de Nicolas. Allez, amuse-toi bien. Moi, mon anniversaire, il y avait un magicien. Hey, salut Manu. Bon anniversaire, Cédric. Merci. Salut Yolande. Salut Minus. Ils sont tous aussi ringards, tes copains. Oublie ce que j'ai dit, il y en a un au moins qui est un peu classe ici. Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux, quelle bonne surprise! Tu te souviens de moi, Yolande Carfavel? Ah ouais, salut. Cédric, merci de m'avoir invité. Bon anniversaire. Ouah, super, j'imagine la tête de Yeti. Chapeau le Nicolas. Ouais, bah j'aurais préféré qu'il s'intéresse un peu plus à elle, parce que... c'est là qu'elle a eu l'idée de son jeu idiot. Bon, d'accord, au début, les gages étaient sympas, mais après, c'est devenu un vrai cauchemar. C'est à moi. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouveau gage? Pour toi, tu vas devoir manger une fourmi. Oh non, alors, c'est pas juste. D'accord, puisque tu veux pas faire ça, alors va falloir que tu embrasses celle-là sur la bouche. De toute façon, moi, je préfère manger la fourmi. À la télé, j'ai vu, il y a plein de tribus qui mangent des fourmis. Il paraît que c'est super bon. C'est ça, vas-y, mange ta fourmi. T'es rien qu'un dégonflé. Tout ça pour un petit bisou sur la bouche. Les jeux des grands, c'est vraiment pas pour vous. Même pas vrai. Et d'abord, Manu, il aime peut-être les fourmis. Tu parles, il faisait les dégoûter au début. Mais après, ils voulaient tous jouer à ça. Même qu'ils faisaient tous exprès de donner des gages super durs, rien que pour faire le coup du bisou. Non! Et tout le monde l'a fait? Oui, enfin, je crois. Même Caprice? Je sais plus, moi, j'en sais rien. En classe! En classe, les enfants! En classe! À demain, les enfants. Hé hey Manu, t'as pas vu Cédric? C'est toi, Christian? Bonjour, monsieur. Bah alors, on t'a pas vu à la petite fête de Cédric? Vous pouvez pas venir, monsieur. Il est déjà rentré, Cédric? Il est dans sa chambre. Tu peux monter. Cédric, c'est pour toi. T'aurais pu m'attendre quand même tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? Bah rien, d'habitude on rentre ensemble. Et puis tu m'as toujours pas dit si Caprice elle a fait le coup du bisou ou pas. Et me dis pas que tu t'en rappelles pas, hein. Tu me promets que tu vas pas te fâcher? Bon alors écoute. Je vais te dire quelque chose, Yolande. Toi, t'es amoureuse de Nicolas. N'importe quoi, et t'as pas intérêt à raconter ça. T'es amoureuse, t'es amoureuse, t'es amoureuse. Alors, à qui te... Arrête! Et puis, dis donc, toi, t'es toujours amoureux de ta chinoise, hein? Tiens, faut que tu fasses la grimace la plus moche. Alors, t'as intérêt à la fermer.
Ah non, alors là, pas question. D'accord. Puisque c'est comme ça, faut que tu avales une grosse araignée toute crue. Caprice, mais alors qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé l'araignée, j'espère? Ça va pas, non? T'as embrassé Caprice? Quoi? T'as embrassé Caprice sur la bouche? Et tu te rends compte, j'ai dû faire ça devant Chen. T'avais pas le droit, tonton! T'avais pas le droit! Arrête, c'était ça où je passais pour un dégonflé. L'empêche! Mais c'est pas ma faute, c'est Yeti. C'est ça, c'est Yeti. T'as embrassé Caprice sur la bouche. T'es qu'un traître. Et puis d'abord, t'es plus mon copain. Christian, attends! Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben t'en fais une tête, gamin. Un sacré gamin. Des bisous sur la bouche. Et tout ça pendant que je regardais la télé. C'est pas drôle, Pépé. Oh oui, t'as raison, c'est pas drôle. Excuse-moi. N'empêche qu'après, je me suis bien vengée. Quand ça a été mon tour de jouer, c'est tombé sur Yeti. Eh ben, je l'ai obligé à embrasser Caligula sur le museau. Oh, bravo, gamin. Elle l'a bien mérité. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'embête le plus? Que tu aies embrassé une autre fille devant ta vietnamienne? Chinoise. Chen, elle est chinoise. Ou que Christian soit fâché contre toi. Ta Chen, elle savait que c'était juste un jeu. Mais Christian, lui, il n'était pas là. Alors c'est normal qu'il le prenne au sérieux. Tu le crois pas? Hé, Christian! Tu viens jouer? Allez, viens! Laisse-moi tranquille, espèce de traître! Mais Christian! Je veux plus te parler, t'entends? Plus jamais! Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Oui, ça suffit maintenant! On en a marre de vous voir vous faire la tête! Ça a duré toute la journée! C'est rien, c'est juste que j'ai oublié de lui rendre un jeu! T'as qu'à lui rendre demain, c'est tout. Vraiment, les garçons, des fois, ils sont trop bêtes. Allez, viens, laisse-les se disputer tout seul. Sympa de pas avoir dit pourquoi je te faisais la tête. Tu sais, moi, c'est Chen que je voulais embrasser, pas Caprice. T'as raison. Et puis, ça comptait pour du beurre, non? En plus, nous, on avait dit qu'on se disputerait jamais à cause des filles. Bah, c'est raté. Alors, copain comme avant? Copain comme avant? Quand même, je voudrais bien savoir, ça fait quoi d'embrasser Caprice?